Et salut tout le monde sur le stream. Comme prévu, hier on a fait du Fortnite et on n'a pas eu le temps de jouer à Red Dead. Résultat, comme prévu, on fait un petit live exceptionnel ce matin. Et on découvre en direct le début de l'histoire de Red Dead Redemption 2, sachant que j'y ai encore pas joué. Ça va être vraiment de la pure découverte quoi. Allez, ça fait 8 ans qu'on attend ça. J'ai désactivé un peu mon overlay pour laisser place à tout l'écran sur Red Dead, et puis au fur et à mesure, si je vois qu'il y a des endroits où je peux mettre des overlays sympas, je ferai ça. Mais j'allais pas mettre celui de Fortnite parce que du coup il correspondrait pas certainement à l'interface de Red Dead. Et comme je l'ai encore pas vu, je peux pas vous dire. Voilà, allez, let's go. Histoire, c'est parti. La cinématique, on la découvre en live. Jusque-là, rien de particulièrement ouf, hein. On va pas se le cacher, hein. Les écrans sont chouettes, mais bon. C'est peut-être juste un chargement, ça. Alors j'ai vu sur dans la boîte du jeu, en fait, il y a la carte du monde ouvert. Et j'ai vu que la moitié à peu près correspondait à l'ancienne map du jeu de Red Dead Redemption 1. Donc j'ai très très hâte de pouvoir me balader dedans. Ah ça y est, ça charge. Allez, allez. Ça risque d'être long, hein, c'est le tout premier chargement. Écran noir. Allez, allez, let's go. C'est parti. Est-ce que je vous lis les sous-titres? L'Amérique devenait un pays régi par les lois. Ouais, donc on peut plus faire le fou, quoi. Il y a des lois, faut les respecter. Pas. Ou pas. Même l'Ouest avait été dompté. Quelques bandes arpentaient encore ces terres, mais elles étaient traquées et détruites. Et détruites étaient soulignées carrément, quoi. Ouh, Rockstar Games présente. T'es prêt ou t'es pas prêt? Moi, je suis pas prêt. Red Dead Redemption 2. Allez, allez. On peut voir du gameplay, allez! Oh, ça tombe bien, c'est raccord avec le froid qui fait dehors là. On se sent parfaitement immergé dans le jeu. Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Ok, Arthur's out looking. Enfin, je me mets à leur place, ils doivent être congelés, les mecs. Ouais. Ah ouais, au mois de mai. Arthur, any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davy rest while he, you know, an old mining town. Alors ça, c'est possible que ça fasse référence à... Je sais plus quel était son nom, mais il y avait une ville, une mine abandonnée là dans Red Dead 1. Peut-être qu'on va revoir ce paysage, ça serait super cool. Chapitre 1.
Tu sens que ça rigole pas. Bring him in here. Alors j'ai pas une PS4 Pro malheureusement et pas d'écran 4K donc je vais pas pouvoir en profiter à sa juste valeur, mais ça sera déjà pas mal. Miss Gaskell, get that fire lit quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Et lui il est dans le mal. Je sais pas ce qu'il a pris, mais... Ouais. There was nothing more you could have done. Alors, ils ont tué Davy Crockett. Well, first of all, you're going to stay here, and you were going to get yourself warm. Now, I sent John and Mike scouting out ahead. Arthur and I, we're going to ride out, see if we can find one of them. Miss, just for a short bit, and I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, Ollie, for a moment. Now, we've had a bad couple of days. Ah, j'imagine, ouais. I loved Davy, Jenny, Sean, Mac. They may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground, in their stead, I'd do it, gladly. But we're gonna ride out, and we're gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. Arthur, c'est nous. We've got some work to do. We ain't run into them yet. So, they both must have headed down the hill. Il y a une couche de neige, les gars. Hey, I ain't had time to ask. Il y a au moins 50 cm de neige, là. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Oh. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith. Get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. We need you strong. Attendez. Du coup, il y a mon Mac qui cache l'écran là. C'est un peu dommage. Alors, maintenez X pour caler votre vitesse sur celle de Dutch. Bah, vas-y, go. Ain't sure what we're gonna find out here, Dutch. We have to try. Stay close. Donc là j'ai la main, j'arrive à contrôler mon cheval. À peu près, enfin je laisse appuyer sur X. Et je dirige un peu avec le stick quoi. C'est déjà très très beau. Hein. Tapoter X pour accélérer. Ouais. C'est ça que t'appelles accélérer ? Il y a mon chien, je sais pas, il veut voir. Allez, bah monte. Utilisez R1 pour ralentir votre cheval. Ouais. Je vais pas le ralentir, moi je veux me barrer de cette tempête de neige pourrie. Hey, move up alongside me. Can't see you back there. Can't believe we lost Davy too. Utilisez L pour suivre Dutch. Par quoi? En avant, deux fois rapidement et maintenez chevauché à côté de Dutch. We got fire and shelter, that's a start.
L2, parler à Dutch. Allez. Et l'argent. Bon, ouais, et l'argent. And what about the money? Please tell me you at least got the money before it all went to hell on that boat. We did. It's stashed with the rest of the money in town. It'll be safe for now. Hey, I think I see something up the path. C'est beau, hein. L'éclairage des lanternes est magnifique. C'est le grizzly là, c'est le Bigfoot, c'est obligé. C'est le grizzly, c'est le Yeti, mec. Non. Messieurs. Anyone home, McFly? This is blazing with light and noise. It sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davy doing? Well, he didn't make it. Bah ouais, Davy. Go again, little Jenny. That's too bad. Davy was a real fighter. Effectivement, on peut galoper comme ça, là. Was. Yeah. And Mac and Sean. And Mac and Cheese. Quite a business. Bon, allez, avance plus vite, là, mec. I'm glad you're all right, Micah. Always. Ask him if he's seen John. Je sais que le cheval, au bout d'un moment, il va se fatiguer. Have you seen John, Micah? Didn't see much of anything once this storm came in. He hasn't seen him. He'll be fine. Things always turn out right. Non, si tu vas plus vite quand t'es dans les traces de pas. Mac and Sean are still out there somewhere too. Hey, Arthur, let me take the rear. You move up. J'ai pas eu le temps de voir. Allez, parlons-lui. T'es sûr de ton coup? T'es tombé sur qui d'autre? Allez. You run into anybody else? I reckon we're the only ones crazy enough to be out in this, Morgan. Yeah, well, don't talk to me about crazy. Oh, so no, glad you're all right. I was worried, Micah. Look, it's all gonna work out, Morgan. We lost a few folks, but that's just how it goes sometimes. Well, I'm glad you're feeling so good about it. Where are all the others? Old mining camp, back up the hill. Ain't much, but shelter. So, this house. Prendre un sapin, je pense. People there already? No. Like Dutch told us, look, but don't talk to no one. Just following orders, you know me. Right. C'est encore loin. On est bientôt arrivé, papa, papa, on est bientôt arrivé. Not far. Okay. Let's keep it down now, gentlemen. Watch it. It's just up ahead. Stop and stash. C'est magnifique. Best you two lie low on this. What the? Ah. Ouh, ça va se fight là dans pas longtemps là. Il faut faire profil bas, les mecs. Okay. Let's head down there. Allez. Votre santé est affichée en bas de l'écran. Effectivement, ça va se fight. Ah, ça change de Fortnite, hein. Le jeu à l'extérieur de santé indique la santé qu'il vous reste. Le niveau du noyau intérieur détermine la vitesse de rechargement de votre santé. Approchez-vous des poteaux d'attache. C'est quoi un poteau d'attache? C'est où? C'est là-bas? C'est quoi? Maintenez triangle pour attacher votre cheval. C'est là un poteau d'attache? Ben non, on dirait pas. Ah si. Une petite marche arrière, hein, petit bip bip. C'est bon? Ah ben, poteau, c'est un arbre, d'accord. Oh, t'as vu les traces de pas dans la neige? Regarde la neige comme c'est magnifique. J'imagine qu'on peut courir aussi en tapotant X, non? Allez à l'abri et appuyez sur R1 pour vous mettre à couvert. Qu'ils appellent l'abri. Arthur,
get in position. Come on. Ouais, mais je comprends pas où faut aller, moi, alors. Arthur, what are you doing? I said. Ouais, ouais, non, mais d'accord, je suis d'accord, mais mec, faut aller où? Attends, c'est le truc. Dis pas que c'est le truc jaune sur la map. Comment on fait pour afficher la map en plus grand? On peut changer de vue, d'accord. On va se mettre une vue un peu plus éloignée. Je comprends pas exactement ce qu'il faut faire là. C'est ce truc là, l'abri. T'as couvert là-dedans. Ok. Utiliser L pour jeter un coup d'œil hors de l'abri. Ok. Et c'était pas très clair hein, pour ma défense. What you want? I am very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. C'est R pour déplacer la caméra et voir Micah. We can't help you, mister. I got folks. Arthur. Arthur, we got a problem. Folks, there's a corpse right here. No, I just Arthur. Need some. There's a body in the wagon. I hear you. Protéger Dutch. Keep your eyes on Dutch. Aussi L1 pour afficher la roue des armes. Allez, on est bon. On va se prendre le petit calibre. R. Utilisez R pour choisir une arme. Relâchez R1 pour vous en occuper. Ben, R, ouais. Ouais. Now, friend, I ain't asking for much. Maintenez L2 pour viser. I am kind of desperate. Hey. R2 tirer. Ça c'est pas facile. La sensibilité, il faut l'adapter là. Mais il est juste là, lui. My God. Ah ouais, mais sprinter dans la neige, poteau, c'est pas facile. Oh là là. Mais alors quoi, il faut le tuer, lui. Attends, moi je vais le défoncer lui. Hein. Je vais aller le looter comme dans Fortnite. Hein. Je vais le défoncer. Oh mais la neige, c'est magnifique. Donc, si j'ai bien compris, avec ça, c'est comme dans l'ancien. Tac, on se met un petit cut. Tac, on revient avec les points. Tirer à proximité d'un objet pour le ramasser. Looks like the poor bastard was married too. At some point. If we can't eat it or drink it, put it down. It's a strange one, all right. Maybe they're hiding up here, too. There's a big price on Colm O'Driscoll's head. Nearly as big as the one on yours.
One comb dead is about the only thing me and Uncle Sam agree on. I'm starving. You should eat something now. Get your strength up for the ride back. Des légumes en conserve. Alors, qu'est-ce qu'on va manger? Comment surtout on change de... Restaure légèrement vos noyaux de santé et de sang-froid et considérablement ceux du cheval. Restaure modérément votre noyau de santé et légèrement celui d'énergie. Warm. We could maybe move the women and Jack down here. Maybe. We'll see how they are when we get back. I don't really want us to split up. Keep searching while I pack these on the horses. Allez, on ramasse tout ce qu'on peut. Alors pour l'instant, j'ai un peu du mal à... C'est du sang sur le... Wow, wow, wow. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, fouillez le meuble. L'alcool, on prend. Il y a l'air d'avoir plus rien ici. Quoique. Moi je veux la chaussure. Vas-y, ramasse la chaussure. Ouais ouais, bah eh oh. Deux secondes, t'as qu'à fouiller. Le mec il est gentil mais... Still looking, Dutch. Il a dit qu'il fouillait, il a rien fouillé du tout. Sur le... Ouais, je pense que là c'est bon. À mon avis, sur le cadre là, il y avait un truc, il fallait absolument s'en souvenir. Du coup, je m'en souviendrai pas, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait de ces chevaux? C'est lui qui a ramené le chevaux. Arthur, go see if there's anything in that barn. Micah, you search the cabin, see what we missed. J'ai rien raté, mec. J'ai mis 2 heures à fouiller. Ah oui. Oh, tellement pas, mon gars. T'es défoncé, moi, c'est trop violent.
No. Not yet. L2 pour centrer la caméra. Find out what they're doing here and where Colm is. Oh, this son of a bitch will talk. Where's Colm O'Driscoll? With the others. At an old mining camp southwest of here, near the lake. What are you bastards doing? Why are you up here? We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. No, I don't know more than that, I swear. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. Oh. Allez, je l'épargne, il avait l'air pas si méchant. Il va même pas essayer de me mettre un pain. T'as les commandes, faut les apprendre. Hein. Regarde, un coup c'est prendre L1, un coup c'est prendre carré. C'est bizarre, non? La vue sur votre cheval L2. Apaiser le cheval. C'est où les poteaux, c'est ça là? Je m'explique quoi? Comment ils ont trouvé quelqu'un dans la maison? Salut tout le monde sur le live. C'est le tout début du jeu. Et jusque là, c'est carrément beau. Et c'est nous, c'est nous. On aurait dit qu'il avait un fils sniper, lui. How'd you get on? Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about, apparently.
scouting the train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food, and this poor soul, Mrs. Ann. Ouais, surtout qu'elle doit être congelée, la fille, là. Elle est en chemise de nuit et il fait moins 20, là. And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. Ah ouais, ça va aller, ouais. Elle va te réchauffer un coup, là, parce que j'ai froid pour elle, là. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea, I'll show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a sacré bunch Bill of Williamson. Get yourself to bed. He ain't been seen in days. Weather ain't let up. He's strong. And he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. Abigail. Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur? Est-ce que quand elle dit John, c'est John Marston? Parce que c'est bien possible que ce soit lui. Now? Le héros de Red Dead Redemption 1, évidemment. We're pretty worried about him. Ça doit être lui. The situation were reversed. He looked for me. Thank you. This way. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. He wouldn't leave. Not like that. Wouldn't be the first time. C'est forcément lui. Ah, je vous jure, ça doit être froid, toute cette neige. Somebody left recently, and that way. Sure, well, ah, ils vont nous apprendre à pister quelqu'un, quelque chose là, c'est obligé. Here's some tracks leading to the river. Arriva. A few hours ago, most. Oula, t'en vas pas trop loin, toi, moi je te vois plus après. La santé de votre cheval est indiquée dans le coin inférieur gauche. Si la jauge de santé est complètement vide, votre cheval s'écroule. Ouais, j'y vois rien, moi, là-dedans, là. We had the money, it seemed fine. Then suddenly they were everywhere. Bounty hunters? No, Pinkertons. It was crazy. Raining bullets. J'ai réglé trop lumineux. J'ai du mal à voir. Dutch killed a girl in a bad way. But it was a bad situation. That ain't like him. We continue along the cliff wall here. Davey got shot. Mac and John. C'est magnifique. Sean, we don't even know. I'm surprised we escaped at all. By the time you boys showed up from the other side of town, we were only just holding on.
La vue cinéma, allez. Bad business, all maintenez. Right. And snow's coming in hot again. We'll lose these tracks if we don't move fast. Puis sur R3 pour changer de vue cinéma. Ouais. On s'y croirait, hein, c'est vraiment beau. Bon, c'était pour faire ralentir le cheval un peu. Pas comme ça. Comme ça. Horses are getting tired. Yeah, a lot of fresh snow here. I don't know about this, Javier. I mean, we can't follow nothing. Now, let's push on a little bit. Maybe we'll pick up the trail again. C'est incroyable la neige et tout. Almost there. Come on now. Hey, look. Over there. You see that? Bon, je vois rien du tout, hein. Blackwater. Let's see if he can hear us. Ah, tu vas faire une avalanche, toi. Faut pas faire ça, mec. Come on, up there. J'avoue, le style de votre cheval, vous pouvez transporter qu'une seule arme de poing à la fois, vous pouvez interdire les armes. Intervertir les armes que vous avez avec celles que transporte votre cheval. Arme rangée sur votre cheval. Non. Si. Maintenez L1 pour afficher les armes transportées. Utilisez R pour sélectionner les armes de poing. Ouais. L2, R2 pour sélectionner le fusil à canon scié. L1 pour vous en équiper. Et L1 pour afficher les armes transportées, ouais. C'est bon ou pas? Ouais. C'est pas facile, hein. On va le dégainer tout de suite, histoire d'être tranquille. Ouais, c'est une autre mécanique, hein. Quand t'as pris tes petites habitudes sur Fortnite, c'est pas le même genre d'interface, tout ça, donc... un petit temps d'adaptation. You sure about this? It's coming from this way. Okay. It's slippery, be careful. Mierda, that we're high up here. Mierda. John, qu'est-ce que tu fous là? Que vous courez, sautez ou grimpez. Watch yourself. Careful here. Stay low under here. Trois. Okay. Good now. Watch your step. Votre noyau d'énergie est vide. Votre vitesse de déplacement sera réduite. Bah oui. Moi je veux bien. Mr. Marston. How are you? Oh, allez, va un peu plus vite là-haut. How you doing? I'm miserable. Been a tough few days. I know.
Here. Take a drink of that. Ouais, t'inquiète avec ça, mon gars, tu vas te réchauffer de 10 000 degrés. Continuez à manger et à boire pour éviter que les noyaux se vident complètement. Come on. John, can you hear me? Ouais, John Marston. John! John, where are you? John, you there? Come here! Out on the ledge! That's John! We're coming! That was there! Down here! Alright! Pipe down, Marston! He's down here! Comment il a bien pu faire ça? That's quite a scratch you got there. Never thought I'd say this, but okay. Good to see you, Arthur Morgan. John Marston, les gars. En direct. Et voilà comment il a eu sa griffure au visage. I don't feel too good neither. Ah bah ouais, faut le porter en plus, le mec. Just yet, cowboy. Come on, compadre. Well, we can't go back the way we came. Let's try this way. Ain't you a sorry sight? Qu'à sauter, hein, ça ira plus vite. Argue with you there. See? I told Dutch you weren't the right man for this. I'm sure you did. You all right? I don't think so. Come on. Hopefully this will lead us out. D'accord, bah oui, évidemment. See that on the ridge? Là, ça va partir en grosse bataille de fusil à pompe, là. I'll distract him while you get to the horses. Go. Draw them off. Okay, here we go, John. We'll leave them to Arthur. C'est L2 pour centrer la vue sur un animal. Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Ouais, easy, ils font pas le poids contre le fusil à pompe à canoncier. Alors, inventaire de cheval, hein. Montez sur votre cheval. Let's go, Arthur. Vous pouvez lui tirer dessus, hein. Okay, boy. Okay, boy. Come on, then. Let's get back to the others. Ah, on sait qu'il va être bien. Ouais, plus tard. Je sais pas du tout comment on range les... Ah ben, en voilà d'autres. Tuer les loups. Oh, c'est pas facile, et... Tire! Adieu! Ça tire deux balles, c'est bizarre. You see any more, Arthur? Don't think so. Jesus! You still with us, Marston? Just about. You're gonna be okay. We have some shelter now. Thanks for coming for me. Of course. That bullet in Blackwater, now this. You had a hell of a time. And Arthur always says, I'm lucky. Puis, il a lutté contre des zombies et tout. C'est pas n'importe qui. Ah, il veut vraiment aller dans l'eau, lui. Ouais. Freezing, bleeding, starving. Damn near getting eaten to death ain't good enough for you. Here,
Let's cross to the left. Yeah, come on. Let's push hard and get back. See those buildings up ahead, John? That's where we camped. Nearly there. Je sais pas du tout comment on affiche la carte ou quoi, là. C'est bizarre. Je vais finir par trouver, hein. Il neige un peu moins, on dirait. Bah vas-y, pas tous à la fois, hein. Come on, let's get you warm. Thank you both. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank you. You got any other lost maidens need saving? Not today. If you and Dutch talk about how we're gonna get out of this. I was just discussing with Herr Strauss. Herr Strauss. When the weather breaks, I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Thank you, Mr. Morgan. Moi, je veux aller à l'ouest. We have been running for weeks. We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for. C'est vrai qu'on est au mois de mai là, a priori, c'est horrible. Alors, les événements qui se déroulent pendant que vous explorez le monde, les lieux d'intérêt que vous découvrez sont répertoriés dans votre carnet, maintenant, pour les consulter. La touche option pour afficher les détails. On verra plus tard ça. Oui, le tiroir de la table de... Le fortifiant miracle. Ah, c'est encore ce tiroir, on s'en fout, on ouvre pas. S'asseoir. Oh, il veut pas, laisse tomber. Bien ou pas? We weren't there, Jose. I'm aware of that. And they shouldn't have been either. Oh, we can't change nothing now. Okay, well, try to stay warm. All right, Arthur. Bon, je vais discuter avec tout le monde. Salut, mon pote. Money's well hidden in Blackwater? I believe so. And they don't even know we dumped it. Oh, well, it can wait then. Well, just hang in there. All right then. Bien savoir où est-ce qu'il veut s'asseoir là, mais en tout cas c'est beaucoup plus réaliste que dans le premier. C'est pas forcément une bonne chose, mais on verra au fur et à mesure. Bonjour madame.
You okay in here, Molly? It might be warmer by the fire. I'm fine, thank you. Okay. Well, try to stay strong. Okay, Arthur. Tu peux pas voler tout ce que t'as dans tes tiroirs. Hein. Ça se fait pas. Oh bah attendez, on va essayer d'ouvrir la carte ou je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est quoi ça? Le journal. En fuite, terrifié et proche de la mort, la bande réussit à trouver refuge dans une ville minière abandonnée. Dutch, Arthur et Mika partent à la recherche de vivres. Subissez aucun dégât pendant la fusillade. Récupérez au moins 6 objets dans le range, terminé avec une précision d'au moins 80%. L'objectif atteint 1 sur 3. Bon. On va pas s'amuser à faire ça tout de suite, hein, mais. Et ça. John est parti en repérage, mais toujours pas revenu. Sous la neige, Arthur et Javier partent à sa recherche. Tuer tous les loups sans subir un seul dégât, terminé avec une précision d'au moins 80%. Bon. Voilà. C'était la première fois, hein. Pas être très fort dès le début. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça, je sais pas du tout ce que ça affiche. C'est le niveau de neutralité, j'imagine. Là, vu que j'ai laissé un gars partir, je suis plus vers le bon que vers le rouge, le méchant. Et il fait 1 degré à l'intérieur, j'imagine. Sacoche. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la sacoche? Alors, les provisions. Récent, fortifiant, ingrédients, matériaux nécessaires, des jumelles. Dissimule votre visage lorsque vous commettez des crimes. Pas encore l'utiliser. Bracelet articulé en or de valeur, peut-être vendu ou utilisé pour fabriquer des objets. Bon, y a pas mal de trucs, on sait pas trop à quoi ça sert. Ça, on a vu déjà. Ici, on a vu. Je sais toujours pas comment on affiche la map. Je sais qu'on peut avoir des vues différentes. J'aime bien la vue un peu décentrée, voilà, comme ça. Ça va pas être ce bouton-là. Ah. Allez, alors là, on est bien. Déjà, paramètres. Est-ce qu'on a des choses qu'on peut changer? Vue inversée, non. Vibration, visée. Niveau d'assistance à la visée à pied. Blablabla, bla bla. Troisième personne, comment la troisième personne, sensibilité, etc. Donc sensibilité de la visée, va falloir mettre un peu plus, mais bon, on verra plus tard. Première personne, ok. Accessibilité, mode course, maintenir pour courir, activer pour courir. Tapotage assisté, sans délai entre appui et maintien, blablabla, bla bla. Bon, on peut faire plein de choses. C'est super. Affichage. Luminosité, netteté, c'est à fond. Mode daltonien, effet victime. Les effets visuels apparaissent à l'écran à chaque fois que vous tuez quelqu'un. Désactivez-les si ça ne convient pas à votre style de jeu. Interface en jeu. Zone de l'interface. Type d'interface par défaut personnalisé. D'accord. Ah ouais. Pour l'instant, on met tout. Hein. Sans. Dynamique. Statique. Mettre du par défaut, hein. C'est incroyable. On peut faire masse de choses. Audio. Ça, c'est cool. Sortie casque. Bon. Sauvegarde automatique, oui. Température Celsius, poids kilogramme, horloge 24 heures. Très bien, ça me va. Caméra. Beaucoup trop de choses qu'on peut régler, là. Code de triche. D'accord. On n'avait pas débloqué de code de triche. C'est bon à savoir, ça. Social Club. Bon, bah, je crois que ça marchait pas. On va pas essayer de reconnecter. Histoire. Regardez, chargé, quitter la partie, nouvelle partie. Très bien. Joueur. Ah oui. What? Des statistiques, poids parfait, température moyenne. Ah oui, voilà, ça a l'air très compliqué. Bien plus compliqué que le premier.
Red Dead 1. Pareil pour le cheval, bon, très bien, énergie. Ah ouais, faut penser à manger, parce que sinon, ça va mal se passer, d'accord. Histoire 1%, ouais, d'accord. Défi, progression totale, etc., etc. J'espère que ce sera pas le même principe dans le multijoueur, hein, qu'on va pas devoir manger, etc. Parce que ça va bien pour un jeu solo, mais pour un jeu multijoueur, c'est pas tellement l'intérêt. Aide, bon. Crime, cheval, activité, blablabla, on t'en fiche. Et enfin, on va pouvoir afficher la carte. Et en fait, on connaît pas grand chose de la carte, en fait. On sait même pas vraiment où on se trouve, là. Je reconnais pas les noms de... On peut zoomer énormément. Je reconnais pas les noms vis-à-vis du premier. J'imagine qu'on est vers Tall Trees ou... dans un coin un peu où j'allais pas très souvent. Bien, ben... Let's go. Alors, qu'est-ce que ça représente ce truc-là? Est-ce que ce serait pas le cheval? Oui. Maintenant, on va aller voir... Ah ouais, c'est énorme. Les branches, elles bougent quand on passe dedans et tout. Okay, brother. Well, you boys, because I thought you liked action. A couple of days on the lam, and you lot have all turned yellow. Apart from you, of course. Shut up, Micah. I ain't never seen so many long faces. I guess folks miss them. I fell, but when I fall, I don't want no fuss. When you fall? There'll be a party. Party? Probably. Uh-huh. That funny, huh? Sure. I don't feel like being laughed at by the likes of you two. Stop it! Now! You fools punching each other when Como Driscoll's needing punching hard. You want to sit around waiting for him to come find us? All of you, we got work to do. Come on. Are you sure about this, Dutch? Yes. Folks been through a lot recently. We hardly back on our feet yet. And the last thing we need is to get bushwhacked by Como Driscoll. Let's go. I know you hate him, Dutch. Ça a l'air d'être une sacrée saleté, ce Como Driscoll. No, you're just doubting me. I would never doubt you, Dutch. You always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Arthur. Take this. And this is about more than revenge for business long ago. They were talking about trains and detonators here. Combe always had good information. Alors là, on va apprendre à capturer quelqu'un avec un lasso, j'imagine. Now you might fancy living on deer piss and rabbit shit. I'm getting too old for that life. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson. Would you please look after the place? There are O'Driscolls about. Yeah. Southwest, right, Arthur? Yeah. He said follow the main trail southwest. They're camped near some lake. Okay. Let's go find these bastards before they find us and rob this core of their planet. Thank you.
was that? Tracks. Horses, quite a few of them. As far as I can tell, the only fools out here are us and them. They must be this way. You good, Dutch? Of course. Listen, I know you don't think much of my ideas recently, but this is the right move. Okay. Je rentre dedans. You know I got your back. I learned a long time ago. Ça, cette vue-là, elle est pas très pratique. Wait for him, and people you love will die. This feud between you and him needs to be put to rest, one way or another. It will be. Some things I can forgive, others I can't forget. What he did to Hannibal, I can't do neither. You killed his brother, Dutch. Yes, I did. And I hope the bastards will be reunited soon enough. That's how this'll end. Damn right, boss. See that smoke? Let's cut up here and take a look. They said it was near the lake, so we must be close. C'est très très beau. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans le chat là, mais moi je trouve ça super beau et les effets de la neige là c'est vraiment incroyable. All right, gentlemen, this is it. Are we goddamn ready? Yeah, we goddamn ready, Dutch. Now, Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little, see if we can't get a sense of the layout of the camp. Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two hold position here. Let's go. Pas encore dégainé son arme, là. Je sais même pas si j'ai pris la bonne. Ou si je vais encore y aller au fusil canoncier. Ah oui, c'est le moment de sortir les jumelles. There they are. That's definitely them. Home? I think so. Il y a un peu moins de neige là. On peut bouger ou non? On peut pas. Si. Un petit peu. Et du coup, c'est quoi là? All right, let's go pay our old friends a visit. Et par là, bien sûr, tu veux dire là. Tirer dessus, quoi. Don't forget to grab that rifle from your horse. You boys be ready to pick them off from up there. Sure thing. Le fusil, il a dit, hein. Je sais même plus comment on fait. Sectionner les armes longues, utiliser R2. Faire défiler. Les carabines. Ok. On peut la mettre là ou là-haut. Good. Come on, let's go. Oui, ça va être bon ça. Seems easiest to take the same path down as Bill and Micah. Like you said. Revenge is a luxury we can't afford. Yeah, just wasn't sure you agreed with me. Arthur, have you completely lost faith in me? Our needs right now are supplies, equipment, and a way out of here. Everything else, including Colm, can wait. Okay. There's enough of those bastards down there to deal with as it is. Now come on.
Regardez la neige sur le sapin, c'est incroyable. Et quand on passe, ça fait tomber ce qu'il y avait sur les branches, quoi. Et j'imagine que plus on attend, et plus ça se refait. C'est complètement ouf. Bon, là, par contre, ça a été un peu moins. Raccourci, non? Ouais. It's steep here. Careful. Je me demande si on peut glisser. Enfin, je veux dire, si je saute de là, évidemment, je vais me vautrer, mais... D'ailleurs, est-ce qu'on peut sauter? Ça les entend les petits coquins là-bas. Maybe I should take the lead on this. They're going to be gunning for you. They ain't got me yet. No, but the way our luck's been running. Hush. Let's just get down there first. Down through these trees, quick. J'ai vu dégainer, je me suis dit que c'était le moment de le faire pareil. Stay low. Come on, follow me. Y a un mec là ? Con lui. So, what are we doing, Dutch? I can take this if you want. Just make the call. You want to take the lead? Go. Saw him with my own two eyes. Des Dutch. We don't have time to debate this. Engager la fusillade. Oh, oui. Okay. On veut de l'action un peu là. Je t'ai pas visé, c'est génial. Bon, le headshot. Ouais, j'ai du mal, hein. Tire, tire. Ok, ça tire pas. C'est coquin, je vois personne. Ok, j'en ai vu un là. Grosse balle dans la tête. Oh, c'est pas facile, hein. Avec la neige et tout là. Ça. La tête. Oh, c'était mon kill. C'est pas pratique, c'est vraiment pas pratique, regardons. Il va mort lui. Oh, j'aime beaucoup ça. Il y en a là. Lui, par contre, il a pris sa sale balle dans la tête. Hein. Croyez-moi. Il
à l'abri par là. Il a fait des dégâts lui, salaud. Est-ce que c'est pas le moment de fouiller le coffre? Fouille des coffres. Prends tout l'alcool. Le cigare, ah oui, bien sûr. La dynamite, pas moyen de faire quelque chose avec ça là. Oh, ça vient de me tirer dessus là. On dit les cabanes à droite, hein. Ça. Lui par contre. Pou. C'était le dernier. Ah oui. Search the bodies. Strip everything we can from them. You recognize any of them, Dutch? Of course not. Cole doesn't give a damn about his men. All he cares about is numbers. If you can shoot a gun, prendre son chapeau là. Tellement où ça se tire dessus là en fait. J'ai du mal à comprendre en fait. Ok d'accord, ça doit être là. C'est bien qu'il y a plein de monde, moi je vois personne. Hein. Ah si ça y est. Ouais d'accord, ils sont nombreux, c'est vrai. Boum! Headshot, biatch! Il a eu de la chance lui. Ok, j'en vois un juste là. En visant, appuie sur R3 pour activer le mode sang froid. Pas besoin de ça mec. Attendez, on n'a pas fini de fouiller tous les cadavres. Ça veut dire qu'il y en a un paquet. J'ai perdu mon chapeau. Attends. Est-ce que j'ai bien compris là? Un fusil à canoncier.
Vas-y, lâcher, prendre revolver Cattleman usé. Off. Bon, c'est pas la peine, si. J'ai plus de chapeau. On va bien récupérer mon chapeau. Alors visiblement on peut perdre son chapeau et j'ai l'impression qu'il est là-bas. Attendez, je vais le fouiller lui aussi. Peut-être pas la peine de fouiller tout le monde, mais bon. Ça, je me fais plein de munitions. Et encore une fois, on profite de la neige qui est assez magnifique. Et des dollars aussi. Ça, c'est mon chapeau, regardez, on le voit briller. On se remet son petit chapeau. Tac tac. Puis voilà, hein, on va aller rejoindre la bande. Ouais. Good work, boys. Now, let's tear this place apart. Bill, you go search that wagon there. Mike, search that building. Arthur, you take that building to the left. All right, okay, man. Okay. Find those detonators, explosives, anything you can. Let's go. Ah oui, il me semblait bien qu'on allait tout faire péter avec la dynamite là. Bon, pour l'instant, c'est, je pense que une question de sensibilité à modifier là, mais c'est plutôt pas mal. Hein. On peut même ramasser des cigares, quoi. Tabac, chiquet. Ça, c'est le coffre que j'ai fait tout à l'heure. Là, il y a un détonateur, donc fouillez le coffre. Là, il y a de la dynamite, là. Ça se voit, c'est écrit dessus. This looks good. What do you think, Bill? Well, looks fine. Smells good. Come on. La bonne odeur de la dynamite. Think so, boss? Found this on one of them. Thank you. This is perfect. Ouh, ça sent la carte au trésor, ça. Interesting. This is something about the train that was going to rob. A Mr. Leviticus Cornwall. Mount back up. Let's keep moving. All right. Let's go. Whoa. All of you. Je suis sûr qu'il fallait continuer à chercher. Why are you riding like a goddamn fool? Good work, fellas. Not bad for some starving down and outs. They can pummel us hard as they like. But we will always get back up and fight. That's who we are. Je vais le répéter super souvent, mais c'est super beau. Wait until we have John, Mac, Charles, and Sean back riding with us, and I believe, I know, they will all be back. Qui fait là? Well, you didn't get combed, but this hit'll hurt him a lot more than any bullet in the head. Especially when we rob this train, too. Oh, ça a l'air bien, ça. Yeah, I guess we'll see about that. Oh, indeed we will. You know, he'll come after us. Oh, of course he will, just like all the rest. But we're gonna stay a step ahead of them. Make sure we always know where they are before they know where we are. We allowed ourselves to get a step behind in Blackwater. That won't happen again. All right, dig in, fellas. Let's make some ground. On commence à retrouver un peu les sensations du premier là. Je secoue un peu l'arbre. Oh, c'est super beau. Hey, you see that fella? Wasn't he at the camp with Combe? Leave him to me. All right, we're heading back. Just bring him back alive. It could be useful. Okay, you got it.
Alors ça va être compliqué vu que je sais pas vraiment bien diriger mon cheval. Hein. Utiliser R pour sélectionner le lasso. Yes. Et L2 pour préparer le lasso. Easy en fait. Tenez L2 et descendez de votre cheval. Allez, la montre goussant en or, c'est pour moi. Les personnes ligotées peuvent être transportées sur votre cheval. Chez vous et déposez-le avec carré. C'est excellent. J'imagine, ouais, ça doit être ça. J'aurais pu ramasser ton chapeau peut-être aussi. Ouais. Kieran Duffy, c'est un beau nom ça, c'est stylé. Somewhere you ain't gonna like. Why? What are you gonna do to me? Some fan you ain't gonna like. So I'd advise you to save your breath for screaming. No, please! Regardez le ciel comme c'est beau. Tout est super beau, c'est abusé. Voilà, si on galope, on consomme de l'énergie du cheval. Et à un moment donné, si on arrête, ça recharge. Exactement comme dans le premier. Just let me go, please. They don't tell me nothing. I swear. Oh, take it easy. You're gonna break my ribs. Are you trying to test me? Is that it? Because I will break every bone in your body. I'm sorry. Okay? Not one more goddamn word. Am I clear? Okay. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Two bones right there. On peut sauter avec le cheval. Ou est-ce que c'est automatique? Ah non, on peut. Regardez, on galope et après... Yo-ho! Here we are, you sack of shit. Let's introduce you to the boys. Allez, on récupère la cargaison. On peut courir avec lui, putain, mais il est trop fort, Arthur. Welcome to your new home. Hope you're real happy here. You want me to make him talk? Oh no, now all we'll get is lies. Uncle, Mr. Williamson, tie this maggot up someplace safe. We get him hungry first. I got a saying, my friend. Who shoot fellas as need shooting, save fellas as need saving, and feed them as need feeding. We are gonna find out what you need. I can't believe it! An O'Driscoll in my camp! I ain't an O'Driscoll, mister! I hate that fella! Oh, whatever you say, son. Well done, Arthur. I'm just sorry we missed out on Combe. Oh, there's time enough for that. Now, ah, si on l'avait tué au premier première mission, ça aurait été un peu abusé, non? Okay. Allez, mission terminée, mon pote.
attrapé et ligoté en moins de 45 secondes. Ça c'est cool. 3 ennemis. Ah, j'ai pas utilisé le sang-froid évidemment. La mission en moins de 15 minutes. Et si c'est 15 tirs en pleine tête. Et la prochaine fois, quand je le referai, ça sera beaucoup mieux. Maintenez pour les détails. Ok, d'accord. Ça revient au même endroit. You okay, Bill? Are we gonna hit this train then? Seems that way. Anyway, try not to worry. Sure. Et là, lui. Guess that worked out with the O'Driscolls. Now we just have to rob this train. Get out of here. Yeah, but them wagons are still snowed in. Okay, well, try to stay warm. I'll be fine. Sorry. Non, je suis pas désolé. Essayez de pas se cramer. Hein. Having fun in here, Lenny? More since we robbed the O'Driscolls. Hopefully we'll be out of here soon. On va aller voir dans cette maison. We're gonna starve to death up here, Mr. Morgan. We're okay. We have a few cans of food and a rabbit. For what? 10, 12 people? Ouais, on va aller chasser, ils vont nous apprendre à chasser. I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. If needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting, and they found nothing. Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they've found enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need something you got there. Assorted, salted offal. Starving would be preferable. Come on, let's go. You can't go hunting. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Avec un argument comme ça, mon gars, c'est pas contraire. Yeah, you take this. Ouh, on va tirer à l'arc. You'll have to. Oh, you're joking. Use a gun, and we'll scare off every animal for miles around. You're never too old to learn, I imagine. All right, let's head out. Right, all right. Oh, watch it. How are you holding up, Charles? I'm okay, apart from this hand. Stupid mistake. Still bad? It'll be fine in a day or two. I just can't pull a bow right now. Sure hope I can. Never really got the hang of it. You'll be fine. Donc on augmente de la santé et de l'énergie au fur et à mesure du jeu. Et le lien avec son cheval, comme c'était prévu, se renforce. Oui, maintenant cabrez avec votre cheval. Maintenez R1 et appuyez sur carré lorsque vous êtes immobile. On verra plus tard. En même temps, ça sert à rien, mais c'est stylé. Getting stuck in the storm, going out for John, that thing with the O'Driscolls. You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that, just a lot to think back on. I still don't really know what happened on that boat. Me neither.
Well, Javier told me a bit, but it sure weren't good. C'est beau, hein, le petit passage cinématique comme ça, là. Après les petits passages de dialogue, on a des petites vues super sympas. C'est propre, il n'y a rien à dire. J'ai hâte de pouvoir être lâché dans le monde ouvert et de faire ce que je veux un peu. Ça, c'est vraiment l'envie qui, à mon avis, anime tout le monde un peu sur ce jeu. Hein. Malheureusement, on doit en passer par un paquet de missions, à mon avis, avant d'en arriver là. Et j'espère vraiment qu'il y aura un DLC zombie, comme pour le premier. Ce serait magnifique. Ils veulent pêcher, là, ou quoi? Oh, je suis sûr qu'on peut sauter ça au cheval, là. No wind at all is bad, but if it's too strong, they won't move. Now, shh. Stay quiet. Dami, nous allons tirer à l'arc. Hey, stop here a second. I see something. Je sais pas ce qu'il a vu, mais moi j'ai rien vu du tout. Ah ouais, d'accord, voilà ce qu'il a vu. Ah, c'est énorme. Il me parle à level. Hein. Ça, c'est très bon. Hein. Ah, je l'ai déjà pris, le... Ah non, je l'avais, mais alors... Ah, j'ai du mal avec cette interface, là. Ok. Puis là, on va prendre une petite carabine. Yes. Quoi ? Choisissez une biche ? Faudra déjà que j'envoie une. Pour utiliser l'œil de lynx. Appuyez sur L3 et R3 pour activer l'œil de lynx. D'accord. Je sais pas si c'est infini ça. Animal inconnu. Suivez la piste. R1. Je le fais en œil de lynx, tu y vois un peu mieux. Bon, par contre, c'est un peu long, mais. Ah, c'est pas infini, évidemment. Il me suit, le monsieur. C'est Charles, je crois. Oh, ça a l'air loin, ça. Ça a l'air plutôt loin, en vrai. Parce que là, la piste, elle passe là. C'est bien qu'il ait pas voulu l'effrayer, mais enfin bon, on aurait pu se mettre un peu plus près. Là, on repasse sur les empreintes, au cas où tu les rates, ou comme moi, t'as une luminosité de l'écran qui est pas terrible. Ouais, j'ai vu. Ouais. Try to hit him in the neck or head, quick and clean. You can pull back quite hard. You'll feel when it's too much. Oh. Now, Arthur. Good shot. Now let's try for another. Attirer l'attention d'un animal en le visant et en sélectionnant l'option d'appel. Celui-ci relèvera la tête, ce qui permettra de l'abattre plus facilement. D'accord. Ouais, la suivante, elle doit être assez loin.
donc je devrais pouvoir assez facilement aller jusque là. C'est pas mal, hein. C'est plus poussé que sur le premier, mais on retrouve un peu ce qui faisait le charme un peu du premier jeu. Est-ce que je peux récupérer la flèche? Oui. Ah, c'est bon ça. Parfait, parfait. Alors en fait, il y a une traque, mais on sait pas si elle va là ou là. Et c'est là où je pense qu'elle va pas. Ah si, peut-être qu'elle va là-bas. J'en sais rien, il y en a peut-être une de chaque côté. Je sais pas si je suis obligé de m'accroupir tout le long comme ça là. C'est un peu dommage, mais bon. C'est-à-dire qu'on avance pas très vite. Ouais, c'est loin, c'est très très loin. Mais on profite un peu du paysage. Regardez ça, c'est magnifique. J'espère que c'est juste derrière ce rocher parce que bon, c'est un peu long quand même là. Ah, je crois que je l'avais vu. Là, elle est là-bas. Ok. J'ai compris. C'est pas facile, hein. Ah, raté. You're making yourself too obvious. Ah, c'est pas facile, hein. Le premier tir était beaucoup plus simple. Voyez la piste qui va jusque là-bas. Oui bah hey, c'est marrant. Voyez le recul là, le. J'y arrive vraiment pas. T'arrêter juste là, ça serait magnifique. Pas trop loin, pas trop loin. Non, non, non. C'est vraiment pas facile à viser le coup là.
Oh non, nul. Ouais, je sais, je sais. Voilà. Il est parti de super loin. Ah d'accord. La mission de chasse, c'est horrible. Surtout que là, j'ai gaspillé plein de flèches. Alors attendez, on va se refaire une petite inspection. Je sais pas s'il est là. Non, il est parti. Non, en fait, il y en a plusieurs, c'est sûrement pour ça. Donc, il y en a un en haut. Je vais pas arriver à l'avoir, hein. C'est beaucoup trop chiant. Ok. Allez, bouge pas, Arthur. C'est pas le moment de faire n'importe quoi. Bien. Well done. I think that's all we can carry. Okay, you pick up one, I'll get the other. You sure your hand's okay? It'll be fine once I get it on my shoulder. Okay, I'll go grab the other one. Oui, on peut siffler le cheval, ça c'est stylé. Bah par contre, il vient quand il veut. Ok. On va essayer ce qu'il disait à l'arrêt. Yes, c'est classe. Allez, il va bientôt falloir manger, j'ai l'impression. What? On vient de rentrer dans une biche, mais what the fuck? J'ai pas fait exprès. Ah, presque. Bien sûr que je suis prêt. Nice work, Arthur. Should be enough meat here to keep us all fed for a few days. You found him. I knew you'd be okay with that bow. Ah bah ça n'a pas été facile, hein. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon. People are still weak, and well, you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. You're probably right. And even if we do get off here, what then? We'll still have a big price on our heads. This is a big country. We'll ça pourrait être grand, ça doit être grand. Dutch and Jose will have a plan. Notice how Pearson's had a bottle in his hand ever since we fled by. Ouais, c'est un alcoolique. We give the camp cook 5 minutes to grab the essentials and go, and he doesn't even bring a crumb of food. Ouais. Good that we caught more than one. We've only been up here a few days and have already picked up 2 more mouths to feed.
One more. We ain't feeding the O'Driscoll a damn thing. Except maybe that can of salted offal Pearson was kind enough to give us. The girl, she has a wild look in her eye. Of course. She lost her husband, her home, everything she had. So what do we do with her? Well, once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. Who knows? Maybe she'll deal with the O'Driscoll for us. Well, I know who my money's on that fight. He's weak, but that makes him much more useful. Maybe we can get to them before they get to us. What is it with the O'Driscolls? You ain't dealt with them? I suppose. Yeah, we ain't run into them much. Ah, si, on vient de leur tirer dessus. I guess because they've been over this way. Yeah. I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Big gang. Nasty sons of bitches. Watch out. Bear up ahead. Let's see if we can find another way around. Ouais, sinon on tue. He must be real hungry. Stay well back. He's got a lot of meat on him. We've got enough here. No need to push our luck. Spring storms like this. Ouais, c'est bien, Ben. C'est pas mal, hein. Bon, c'est difficile à prendre en main au début, hein. Donc, bon, bah, c'est une question d'habitude, hein, j'imagine, qu'après de réglage de sensibilité et tout. Mais jusque-là, c'est vraiment sympa. J'ai hâte de voir le multijoueur, surtout, parce que bon, c'est ça qui m'intéresse le plus. Mais comme il n'est pas encore sorti, on peut pas faire grand-chose, à part attendre. L'ours a effrayé votre cheval. Ce dernier devient agité lorsqu'un prédateur se trouve à proximité. Maintenez L3 pour le calmer. Eh, doucement, mon poteau. C'est tout. Juste une petite caresse et puis voilà. How long you been with us now? 5-6 months? Something like that. But you didn't expect this. What? Any of this? C'est sûr que c'est pas du tout le même genre de jeu que Fortnite. Jusque-là, c'est beaucoup plus long, hein, évidemment. Et c'est bien cool. Après, c'est sûr qu'au début, ça commence doucement avec des missions faciles, histoire que tu te prennes en main les commandes, quoi. Qui sont déjà pas simples, donc bon. Il faut bien ça, un petit tuto. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch. Mais je pense qu'il va falloir que je mange bientôt pour refaire de l'énergie, parce que vous voyez que mon noyau d'énergie est rouge, tout en bas à gauche. Donc visiblement, il va falloir que je mange un truc. Je vais attendre d'arriver au camp pour manger. We need you now. More than ever. Good. And how long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? Oh, 20 years, something like that. Since I was a boy. Après, je me fais pas trop de soucis sur le jeu, hein, Ben. Yeah. Le premier, c'était vraiment le meilleur jeu auquel j'ai jamais joué. À mon avis, celui-ci va être super bien aussi, clairement. Pour ceux qui aiment le solo, je pense que ça va être le meilleur solo qui ait jamais existé ces dernières années. Et puis pour ceux qui aiment le multijoueur, et ben comme moi, j'espère que ça va être à la hauteur de ce qu'on attend, en tout cas de ce que j'attends. How's that new horse? He's all right. He'll do for now. I appreciate you. Mon cheval, c'est un dalmatien, lui. Croisé par une vache, quoi. On the horses as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the count. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. I hope they all make it. Alors par contre, quand c'est tout blanc comme ça, là, il y a mon projecteur qui est mal réglé et enfin, qui est réglé pour qu'on puisse voir des films et tout. Et là, c'est très très blanc en fait. Je vois très très peu. Alors que je vois sur mon Mac pour le stream là. Que c'est super beau en fait. Et moi je vois tout blanc quand c'est en tempête de neige comme ça, hein, sur mon projo. Et ça, c'est pas la faute du jeu, malheureusement, je peux pas y faire grand chose.
I'm gonna hitch time over here. Brought some food back, boys! Come on, let's get these over to Pearson. Thank you for showing me how to use the boat properly. I only showed you a little. Il est congelé, le mec. Ah oui, il est congelé parce que du coup, il faut que je lui donne de l'énergie, il faut que je lui fasse manger quelque chose. Boire un petit coup. En tout cas, c'est beau, hein, j'arrête pas de le dire, mais c'est super bien fait. Ouais, enfin, je veux bien. Mais, j'aurais bien posé le... Ouais, c'est peut-être là-bas qu'il faut poser. Surprise! Find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid you. Why, he loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yes. Seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. I'll get to skin you. You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skin that one that you dumped on the floor there. Il y avait ça dans le premier aussi. C'était pas les trucs que je préférais, hein, honnêtement. Bon, bah ça se veut réaliste, mais c'est quand même pas. Ouais. Ça fait pas rêver. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town if you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else. You bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Yeah. Well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. It's been a tough few days. Vous savez, débloquer les défis de grands chasseurs, ok. Ok, ok. It's been a bad few weeks. Dutch, being Dutch, he is busy making plans. Ça veut dire qu'il commence à fondre. Dutch, being Dutch, those et que l'hiver commence à reculer un petit peu, ça serait pas mal. Well, I thought you was reading him his last rites. Now I see you're introducing him to your other passion. I'll mind you to show me some respect, Mr. Morgan. Mind away, Reverend. You still here, then? I owe you. And you'll pay me. But for the moment, just rest. Arthur! I think it's time for the train. Want me to come? Of course I do, but... Look at you. I was always ugly, Dutch. It's just a scratch. Don't lie still, son. Well, Abigail. Jackie. The boy wanted to see you, John. He's seen me now. Or what's left of me. What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Bide your time. You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, railway men. Bill, now you ride ahead and set the charge at the water tower. Just before the tunnel. Ain't a problem. Why are we doing this? Weather's breaking. We could leave. I thought we was lying low. Yeah. Come on. What do you want from me, Hosea? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Hosea. We're living. Look at me. We're living. Even you. But we need money. Everything we has in Blackwater. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now,
Suddenly, we're about to rob a train. What choice have we got? Oui, mais surtout, ça va être cool. Leviticus Cornwall's no joke, Dutch. Well, who is Leviticus Cornwall? He's a big railway magnet, sugar dealer, oil man. Well, how good for him. Sounds like he has more than enough to share. Dutch! Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Get your horses ready. We have a train to rob. C'est le moment. Regardez, si je secoue l'arbre, ça fait tomber la neige et tout, c'est incroyable. Et les traces de pas dans la neige, c'est super beau. Plus on peut pas lui parler, que les autres un peu. Non. Eh oh, laissez-moi passer là. According to the information so kindly provided to us by the O'Driscolls, you're all over the place. The train will be coming north from Big Valley. We're gonna pick it off after it crosses the border into the Grizzlies. There's a raised spot there that should give us good vantage. Va y avoir de l'action là. You'll keep lookout for any outriders. How's that hand, by the way? I'll be fine. Good. I'll take the driver and engineer, then run point. Lenny and Javier, you two take the front cars, deal with any guards. Arthur and Micah, you head straight for the back. That's what we're after. Mr. Cornwall's private car. You and me, Morgan. Great. Peut passer en mode cinéma. Not if you keep your head for once. You worry about yourself, huh? Enough! After Bill blows the tracks, we're gonna need to move fast. Is everyone clear on what they're doing? Yep. Crystal. Yes, boss. Good. Now come on. Le mode cinéma est plutôt pas mal. C'est une sorte de mafia, non? C'est une bande, de hors la loi plus ou moins. Hein. C'est des gens qui refusent en fait la modernisation au Far West. Donc là, ils sont en fuite parce qu'ils avaient déjà sûrement dû braquer une banque ou un truc comme ça. On sait pas trop encore. Il y a une histoire de bateau. Et du coup, là, ils sont en fuite du côté de là où il y a des tempêtes de neige et tout pour être tranquille, que personne visiblement essaye trop d'aller derrière eux. Mais ils ont une bande rivale en fait qui avait prévu d'attaquer un train, donc pour les embêter ils vont attaquer le train à leur place, histoire de piquer un peu tout ce qu'il y avait. Hop, on sort de la mode du mode cinéma. Là j'avoue que j'ai pas tout compris à l'histoire, mais enfin c'est normal, c'est le début, ils nous donnent des petites informations au compte-gouttes et puis après on pourra reconstituer le puzzle. Ah, le soleil, un peu moins de neige tout de suite, on a des paysages qui sont vraiment beaux. Et là j'imagine que si on va voir braquer un train, ça va être dans un endroit un peu plus civilisé. Peut-être une ville ou je sais pas, ça va être la première fois. How many times you gonna ask the same question, Micah? That's a lot of damn money to leave sitting for too long. It would be crazy to go back there now. The place will be swarming with Pinkertons. Ah, y a des lacs et tout, c'est super beau. We go back, and that's the end of it. Money safe. You'll just have to trust. A priori, ils auraient caché de l'argent dans une grande ville du jeu, qui était une ville de l'ancien, enfin du Red Dead Redemption 1. Et ils peuvent pas y retourner parce qu'ils sont recherchés là-bas. Donc j'ai pas tout compris, mais bon là du coup ils veulent braquer ce train dans un premier temps. Is Bill there? Yeah. You want to head down, see how he's getting on? Okay. Alors, ce qu'il faut faire, c'est a priori préparer l'inventaire. Je vais jamais y arriver. Hein. C'est pas comme ça qu'on fait. Alors oui, j'ai pas fait exprès de prendre le fusil. On va pas prendre l'arc, ça sert à rien. Par contre, est-ce qu'on prend ça ou ça? Ouais, prenons le fusil à canoncier, allez. Tac. Tac.
C'est incroyablement beau. J'imagine même pas en 4K comme ça doit défoncer, quoi. Regardez. On passe dans l'eau et tout. On a les pieds mouillés, tout ça. C'est abusé. Et alors, juste pour info, là, où est-ce qu'on est au niveau de la carte? Parce qu'on en a débloqué un tout petit bout, hein. C'est vraiment minuscule. Mais je sais toujours pas à quel endroit je suis dans la carte. Est-ce que c'est l'ancienne carte? Est-ce que c'est la nouvelle carte? Je saurais pas dire. Il est où, Bilou? How you getting on? Yeah. I'm okay. You sure? Of course. Can I help a little? Ah, salut tout le monde, tout le live. All right. Ce jeu est magnifique. Je vais pas arrêter de le répéter, mais ce jeu est magnifique. Et là, on va pas tarder à attaquer un train, a priori. Ramasser la bobine. Allez, let's go. Tu prends le canon scié, loupe-toi pas. Ouais, je sais bien. En fait, disons que le canon scié, il a l'air pas mal, mais c'est vrai que... C'est surtout pour au cas où il y a des gens qui sont proches, parce que la carabine, de loin, elle fait vraiment un super effet, en fait. Enfin, c'est pas la même carabine que dans Fortnite, c'est vraiment le fusil que j'ai sur le dos, quoi, le fusil de chasseur. Tac. On va faire sauter une voie ferrée, quand même. Ok, c'est bon. On peut changer la caméra et tout. Regardez, il y a un tunnel et tout. C'est abusé. Je vais pas lui voler son cheval à l'autre. Regarde ce qu'il m'a dit. Niveau d'énergie augmenté. Alors c'est sûr qu'au début on peut pas beaucoup courir, on peut pas faire grand chose, on s'essouffle vite. Parce que bah c'est un peu du grind aussi, hein. Il y a un petit côté RPG où faut avoir un peu d'XP et à force on arrive à augmenter les capacités de son personnage et de son cheval. Mais jusque là ça a l'air de se faire plutôt naturellement au fur et à mesure des missions, donc c'est plutôt cool, ça évite d'avoir à galérer trop. Et effectivement on peut sortir les jumelles aussi. Je sais pas comment, mais on peut sortir les jumelles aussi. Ça doit être comme ça. J'ai la roue des objets. R1. Alors attendez, faut maintenir ça, R1. Et ensuite jumelles. Bilou. Zoomer. Et bah quoi? Et elle a rangé. Ah ouais, mais fallait le dire. Moi je croyais qu'il voulait qu'on mette ça. Le bandana. Oui, quand on commet des crimes. Sauf que je sais pas du tout. J'ai filé les objets jusqu'à avoir un masque. Ah, ça doit être comme ça. Genre, c'est quoi ça? Des gants. Ici, il y a de la place, mais visiblement, on peut pas encore. Ça, on peut pas le changer. On va faire ça ici. En fait, c'est pas ça. C'est forcément ici. Il l'a mis? Non? C'est ouf, ça! Comment ça se fait que ça marche pas? Bah alors? Sélectionnez vêtements avec R et appuyez sur L2-R2 pour faire défiler jusqu'à un masque. Bah c'est ça. Relâchez L1 pour utiliser. Eh bah dis donc, ça n'a pas marché du premier coup. Et oui, c'est parce qu'on a une barre en fait qui en gros représente l'honneur du personnage. Donc tu peux être soit un bandit, soit pas. Et là dans le tuto on n'avait pas le choix, on était obligé de mettre le masque, donc pour pas être reconnu. Si on fait ça sans le masque, on peut avoir le choix j'imagine après, et si on fait ça sans le masque, il y a moyen qu'on soit recherché ensuite par la police, etc. Ah oui, ça marche pas, évidemment. Ah,
Oula. Sauter sur le train, ah oui. Ah oui, là il y a de l'action là. Ok. Bon bah lui il arrache quitte. Ah bah du coup là j'ai l'arme de poing. Ouais mais moi je voulais prendre tout ce qu'il y avait là-dedans là. Bon, on va aller l'aider peut-être. Bah quoi, faut y aller ou faut pas y aller, il se cache lui. Tout en visant avec L2, appuyer sur R3 pour passer en mode sang-froid. Effectivement le sang-froid c'est exactement comme dans l'autre jeu. Pour headshot. Par contre pour recharger c'est rond, du coup c'est perturbant. C'est bon, y'a plus personne mec. Aïe. Pas facile de viser. Hein. C'est pas les mêmes armes que dans Fortnite forcément. Ah bah je veux pas le garde, ouais, lâche-le. Oh putain. Ouais, je comprends pas quand il range son arme à chaque fois, c'est pas facile ça. Alors là, faut passer en mode sang-froid. C'est beaucoup plus long que dans Fortnite en fait, c'est une habitude à prendre. Et je pense qu'en changeant 2-3 réglages de sensibilité, ça devrait aider. Ok, là il a sorti là. Spre ! Non. Oh là là, je suis nul. Lui il l'a mangé. J'ai l'impression que j'ai plus de balles. Si j'ai des balles encore. Good shoot, kid.
ça, il n'y a plus personne en fait. Ok, il y a le reste de la bande qui nous a rejoint. Il vient de se taquer, il vient de se toller lui. You two all right? Yeah. Yes, let's get the money and go. We got some fellas holed up in this last car. Ah, shit. What are you boys planning on doing in there? Listen to me. We don't want to kill any of you. Any more of you. I give you my word, but trust me, we will. I work for Leviticus Corps. Come on, boys. We got our orders. Okay. You asked for it. We ain't Five. Opening this door. Four. 3, 2, 1. Seems our friends have gone deaf. Wake them up a little. Oui, c'est comme dans Fortnite. Là. Mr. Williamson, give Mr. Morgan and Mr. Smith some dynamite. You two boys go blow that door open. Prenez de la dynamite, oui. Placez la dynamite. Seems good enough. Now light the fuse. T'allumes la mèche quand tu veux, mon gars. Unless you got a death wish, I'd step back, fellas. Oh, moi j'y vais en courant, hein. Je suis pas fou. All right, come on. Just walk on out here. We don't want to kill you. My We oh just my. Want to rob your boss. Get on up there. Search that train. Pas le droit d'y aller, moi. Si. Look at this place. It's like a palace. Now I've seen everything. Oh, you two got the safe? I'll search the rest. Oh, yes. Should be easy as cake. You're just gonna stand there, kid. Pour me some brandy, will ya? I'm parched. Shut up. Me and Arthur did all the work. Yeah, kid did good. Didn't see you rushing to jump on that train. He's keen. I'll give you that. Cigare. Okay, let's see if we can get Portez déjà le maximum de cigares autorisés, d'accord. Come on. Examiner. Lire. Cher monsieur Cornwall, nous n'avons toujours pas reçu le paiement de 2000 dollars correspondant à la première phase d'exploration de la réserve indienne Wapiti d'Ambarinu. Comme convenu dans le contrat signé par Cornwall Kerosene Entar et la Leland Oil Development Company, daté du 9 novembre 1898. Dès réception des fonds, nous procéderons aux secondes et troisième phases du projet. Nous vous adresserons un rapport détaillé des découvertes d'ici un mois, respectueusement vôtre. James, machin, blablabla, blablabla. Not really. Sugar imports from the Spanish West Indies. A lot of sugar. Some fancy new boat he's ordered from Europe. I am not robbing another boat as long as I live. Là, il y a de quoi voler aussi. Nouvelle lettre. Have you checked all the drawers and cabinets? T'inquiète, t'inquiète. Alors, merci pour votre télégramme et l'intérêt que vous portez à la compagnie minière Jameson. Sachez cependant que les rumeurs de mauvaise gestion et difficultés financières de la mine d'Ainsburg ne sont absolument pas fondées. Je vous invite à vérifier vos sources. L'industrie du charbon est fort différente de l'industrie pétrolière et je reste ouvert à une réunion d'affaires à votre convenance afin d'échanger nos idées et de parler de nos domaines d'expertise respectifs. Je serai également ravi de vous accueillir à Ainsburg et de vous faire visiter la mine ainsi que nos installations. J'attends avec impatience votre courrier, bla 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 bla. Rien d'intéressant. C'est pas facile, hein. Le mec il est gentil, mais ça va au ralenti en fait quand on est là-dedans. Alors, le tiroir. Liasse de billets, oui. Tout là.
Fermez le tiroir. Maintenez pour afficher les détails, d'accord. Dans le tiroir, on s'en fout. Là, il doit y avoir des trucs à prendre aussi dans le meuble. Cigare, je peux pas prendre. Il y a un coffre en fait, il y a quoi là-dedans? Rien d'intéressant? Now this looks like something. Obligation. I think I got him. Nice. Well, thank God. Come on. Je pense que j'ai tout fouillé, hein. What did you find? These bonds. They worth anything? Oh, sure. Bearer bonds. I think we can probably sell these pretty easily. Well done. Now, would you get rid of all of this? The train? Yeah, get it out of here. What about them? What do you think? I don't know. It's up to you. Kill them, leave them here, take them with you on the train. Just make sure they don't send no folk after us. Okay. See you back at camp. When you get back, we'll be moving on. The rest of you, let's ride! Sur ta map, le dessin dirait pas une cartouche de munitions. Ouais, je sais pas. Occupez-vous des gardes. Bon. Viser, menacer. Viser R2. Ok. Get on the train. Quick. All of you. Any bright ideas, I kill all three. So behave. Come on. Move. We won't tell a soul, I swear. Oui, oui, tu peux y aller. Get a move on. Je dis que je voulais pas te tuer, mon gars. Allez, locomotive pour mettre le train en marche. Allez. Je l'ai pas fouillé, je vais le fouiller. Oh, des fois la sensibilité elle est bizarre. 80 cents. Gars, j'ai presque un dollar avec ça, je suis riche. Bon, il y en a plein d'autres des cadavres, mais je vais pas tous les faire quand même. Ah oui, j'ai l'impression que je cours nettement plus vite là. C'est ça que je voulais faire. Allez. Cigarette, blablabla. Bla bla. Ici c'est un carnage, blablabla. Bla bla. Qui est-ce qui va le conduire le train là? Peut-être un train automatique? Lui il pilote automatique sur le train? Hellhole. We're gonna try. Weather seems stable. And we just robbed the Leviticus Cornwall train. We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? I know this country a little. I told you, we should set up camp in Horseshoe Overlook near Valentine. We'll be able to hide out there no problem, as long as we keep our noses clean. Well then, bienvenue sur le live. Clean noses and everything else. Arthur, you're bien de braquer un train, c'était cool.
I know you two like to talk about the good old days and what's gone wrong with old Dutch. De cowboy là. On est bien dans l'ambiance en tout cas. Tout est très bien dosé. Cinématique de temps en temps, c'est cool aussi. Lenny, Micah, get over here. Yes, boss. You two ride up ahead. Make sure. On a vu, on va pas tarder à croiser Charlie Ingalls. Me with the boy? Just go. Come on, kid. You can buy me a whiskey. Jusque là, ils nous ont appris à chasser, à utiliser le sang-froid, à tirer, à bastonner. C'est plutôt pas mal. À utiliser le lasso aussi, l'arc. Tout ça c'est cool. Ah, c'est moi qui conduis ça. Pierre. Elles sont un peu moins rapides celles-ci que celles de Red Dead 1. Vous pouvez aller super vite avec les petites là, je me souviens. Et alors, c'est plutôt pas mal de savoir que au début on a commencé dans des tempêtes de neige et c'était super cool. Oh merde, je viens de perdre une roue. Ouais, ça devait être fait exprès, j'imagine. Ils nous ont filé la pire carriole, quoi. Eh ouais. Prendre la roue. Faire rouler la roue. Soulever la roue. Ouah, ça a l'air lourd. Facile, pas besoin de garagiste. Not quite. What do you think? If they wanted trouble, we wouldn't have seen them. Poor bastards. We really screwed them over down here. Come on, let's not push our luck. What happened? Well, get in. I'll tell you. Allez, on est reparti. Not too far now. Stay on this trail. We'll follow the river, then cut left, inland. Choisir différentes tailles de radar pour opter pour la boussole en maintenant. Yes. Du bas. Sol étendu, normal. Étendu. Allez. This is the heartlands we're going to. Good farming and grazing country. They lost it all. Stolen clean away from them it was, every blade of grass. Killed or herded up to the reservations in the middle of nowhere. And how's that different from anywhere else? Well, maybe it's not. I just heard some of the army out here was particularly unpleasant about it. En gros, ils ont passé l'hiver dans le campement qu'ils ont récupéré, et là, ah, ça me dit quelque chose cet endroit-là. Ça ressemble beaucoup à ce qu'il y avait dans Red Dead 1, un endroit où il y avait un pont comme ça, là, mais c'était pas ici. Et maintenant, ils essayent de rejoindre un peu la civilisation, j'imagine. Ou alors c'est le même endroit, mais sans la neige.
Just because it sounds fancy don't mean he knows a damn thing about what he's talking about. So, what happened to your tribe? I don't even know if I have one. At least, not that I can remember. My father was a colored man. He told me he lived with our people for a while. A number of free men did. Ils nous ont même pas attendu, quoi. We were forced to move from our lands. The three of us fled. I was too young to really remember much. All life I've been on the run. Vous avez chaud, ça se remarque grâce à l'icône clignotante en forme de soleil sur votre noyau de santé. J'ai eu le temps de dire. Pour éviter d'avoir trop chaud, assurez-vous de porter des vêtements adaptés à votre environnement. Je vais pas me changer tout de suite, là. Around 13, I just took off on my own. That was about the age we found young Arthur here. Maybe a little older. A wilder delinquent you never did see. But he learned fast. Alors c'est un jeu quand même pour lequel il vaut mieux connaître un peu l'anglais parce que si tu veux profiter des paysages magnifiques et en même temps lire les sous-titres, c'est pas possible, quoi. Il y a des biches. That depends. On traite de traverser. Are we still heading west in search of fortune and repose in virgin forests as we plan? No. Are we heading in the correct direction on our desperate escape from the law eastwards down the mountains? Yes, I believe so. You know this. Il y a des petits lapins là. Qu'est-ce que c'est? I've been through a couple of times. There's a livestock town not too far from here called Valentine. Cowboys, outlaws. Working girls, our kind of place. The Driscolls? Probably them too. Pinkertons? Let's hope not. And this place we're going. Wait, well, what's it called again? Horseshoe Overlook. It's a good place to lie low? It'll do for now. And how low do you think Dutch is really going to lie? It's just, you know, maybe it's me who's changed, not him. But we kept telling him that ferry job didn't feel right. You and me had a real lead in Blackwater that could have worked out. Maybe. It just isn't like Dutch to lose his head like that. Things go wrong sometimes. Oh, y'a encore plein de biches. It's the way it is. Always has been. Me, you, Dutch. We've all been in this line. Un écart de conduite, là, c'est l'alcool. And we're still here, so I figure we must have got it right a hell of a lot more than we got it wrong. Ah, y'a quelqu'un là? Non? What are you working on there anyway? Just some yarrow and ginseng. Good for the health. Better than that stuff you buy in the store. Yeah, you can have all this. I'm at the point where I can do it with my eyes closed. Oh, okay. Thank you. Vous avez obtenu des plantes, vous pouvez consommer pour remplir des noyaux. Les cuisiner ou les utiliser pour fabriquer des objets. Nature regorge de plantes aux propriétés intéressantes, ramassez-les pour les découvrir. Alors ça c'était un peu le cas aussi dans Red Dead 1. Et j'imagine que là c'est beaucoup plus poussé. Le multijoueur en ligne, s'il est à la hauteur de mes attentes, mais ça va être abusé, quoi. Il y aura sûrement un battle royale et tout. Head in there, follow the track for a bit. Thanks. Hey, slow up. Attends, je vais pas. C'était pas ça. C'est qui ce mec? Ok, let's go. Moi je veux bien, mais. Any trouble getting in here, Javier? Oh, ça passe pas. Well. J'ai pas suivi la route, là j'ai fait n'importe quoi. C'est du hors-piste, là ça va pas du tout. Thank you.
gentlemen. Home sweet home. You weren't wrong, Jose. This place is perfect. I hope so. Gentlemen, we have survived. For now. Now it is time to prosper. Arthur and I were about to prosper in Blackwater. We were on to something big. Then Micah got you all excited about that ferry, and here we are. We have all made mistakes over the years, Hosea. Every last one of us. But I kept us together. Kept us alive. Kept the nooses off our neck. I guess I'm just worried. I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck. East of the Grizzlies and out of money. And a long way from our dream of virgin land in the west. I know, my brother. But we are safe. We make a bit of money here. Then we move again. Head out around them. Be west of Uncle Sam. In a few months, buy some land. I hope so. Would you just look around you? Ouais, c'est très beau, regardez autour. Ça, c'était une des scènes du teaser. I'm going to head into the local town and, you know, see if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss. I prefer robbing banks to usury. Seems more dignified somehow. Now, everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather around. Quickly now. I know that things have been tough, but we are safe now, and we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There is a town a little way down the track named Valentine. Livestock town, all mud and morons, if I remember right. That seems a decent place to start. And, we need food. Real food. That means every day. One of you. And remember, whatever it is that you find, the camp gets... Donnez de l'argent et des objets de valeur au camp pour améliorer les munitions, la nourriture et les autres types de matériel. Okay. Now the girls have your tent ready, Mr. Morgan. Come with me. You two will be ready shortly. We put you over here. I'm sure everything will be fine, Miss Grimshaw. It should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Everything apart from my money. Oh, don't remind me. Well, we can always make more money. We're gonna have to. Miss Jackson! Vous pouvez dormir, vous raser ou changer de vêtements dans votre tente. You do it properly. Fin du chapitre 1. Ben c'était cool ce petit chapitre 1. Bon, c'était une introduction, hein. J'imagine qu'après ça va aller que crescendo, mais il fallait bien ça au début. Got off the mountain, rode east into some pretty enough country called the Heartlands. Ain't been this far east in many a year. Dutch seems a little better. His eyes are sparkling once more, and I can see he's thinking a little clearer. I think we all feel a little happier, in spite of Blackwater and that whole mess. Parle beaucoup de ce qui s'est passé à Blackwater, mais on connaît pas vraiment les détails. Hein. Jose. Mangez, buvez, reposez-vous pour restaurer vos noyaux. Effectivement, ça on savait déjà. Bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles, and Javier. And Swanson found something down at the train station by the lake, apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Thank you. And you? I'm gonna read a book. Appareil photographique. Mm-hmm. Ok, ok. Oh,
my boy, my dear boy. What's going on? Nothing. Nothing at all. For the first time in weeks, nothing. We're free. We're free to plan our own futures once more. I hope so, Dutch. You kept the faith, Arthur. You always kept it. And I ain't losing it now. Très bien. On peut pas lui parler. Suivant, suivant. Je veux dire bonjour à Dab. Non, si. Je peux rien faire. Apporter des animaux à Pearson pour nourrir le camp. Il utilisera de la viande pour cuisiner et leur peau pour fabriquer des sacs. Ouais, ouais, c'est bon. Ok, ok. Morning, Mr. Morgan. Saluer. Glad to be off that mountain, Mr. Pearson. Yes, indeed. Lots to do now. Yeah, for all of us. Qu'est-ce qu'il fait lui avec l'arbre? Il est attaché. Ah, mais oui, c'est le prisonnier. Is anybody getting me some? What do you want from me? What do you think of your new home? Let me go now, please. Okay. Ici, j'imagine qu'on mange. Comment ça se passe? You're Arthur, right? My name ain't no concern of yours. I'm hungry. I don't give a damn. Look, you seem like a decent feller behind it all. Then you ain't a good judge of character. Yeah, well, we'll leave it there now. Hope you choke on it. À boire devant lui, quoi. Abusé. Et peut-être que je peux lui servir un truc à manger, là. Pas l'impression de pouvoir s'y prendre. Bol de ragoût. Si vous prenez un bol de ragoût, il vous faudra attendre plusieurs jours afin de pouvoir en reprendre. Eh ben, tant pis. Moi je vais lui donner. How is that food coming along, Mr. Pearson? All in good time. Je vais pas manger devant lui, je voulais en donner. Oh bah on peut pas. When are you gonna stop with this? All quiet, Jose. Thankfully, yes. Did you and Marcus see anything when you rode ahead? Nothing we need to worry about. Okay, good. Well, I suppose I should be getting on. Okay, Arthur. Je peux devenir la musique, là. Mr. Morgan. Morgan, bring me some materials, and I'll be glad to make something nice for you. Thank you, Mr. Pearson. We could really use some more meat, Mr. Morgan. Viande de gros gibier utilisée en cuisine. Pas trop s'il fallait que je fasse ça, mais bon, tant pis. Good morning, Arthur. Mr. Strauss. I wish they would have killed me too. I know. I wish you never got me late. I know.
I'd kill myself, too. We both know that ain't true. We both know the bravery is in the living. What's that look for? But I can tell you're brave, Mrs. Adler. I really can. I don't seem very brave. Putting the world to rights there? Trying to, Mr. Morgan. I ever met. And that tells me you got the courage. The courage to live. Yeah, I hope so. I really do. Même couper du bois pour le feu, quoi. C'est la corvée. Ouais, on en fait deux, c'est bon. Si il y a quelque chose que nous pouvons faire, juste nous savoir. Il n'y a rien que nous pouvons faire. All right. Well, you just holler. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Got you there, tough guy. Just name the place, my friend. Just name the place. I bet there's some that's scared by that sort of talk, hmm? But not me. Ouais, pourquoi des fois on peut leur parler, des fois pas. Si c'est... You're all talk. You keep thinking that. I know your type. Là, c'est là où on doit déposer l'argent. Donner de l'argent. Faire un don. Ouais, je vais mettre un dollar. Peut pas, comme ça, allez. Ça a l'air compliqué cette histoire de camp là. Alors, se raser. C'est énorme. Pommade pour les cheveux, j'en ai pas. Mais se raser. Alors, tout, moustache, menton, favori. Et eh ben, on va garder une moustache. Longueur 4 sur 10, 3 sur 10. Ah non, c'est raser juste la moustache. Raser le menton. Ah, excellent. Lol. Ah, une petite barbe de cow-boy là. Excellent, changer de vêtements, allez. Qu'est-ce qu'on a de beau? L'as de la gâchette estivale. Hivernale. Hors la loi grizzly. Tenue de bagarreur. Bandit. Rebelle. L'innocent, le poursuivant. Elle est pas mal, le poursuivant. C'est un peu bizarre quand même. Il y a des tenues qui sont vraiment pas ouf. Ok, bon. Chapeau. Pas de chapeau. Chapeau de parieur. Chapeau de tracker. Parieur usé. Bien celui-là. Chapeau volé. Arrête, on peut voler des chapeaux.
Bon, peu importe. Je crois que vous pouvez dormir aussi. Examinez. Disposez d'aucune tenue adaptée au froid sur votre cheval. Et alors ? Un chien ! Auto R1. Oh là là, des fois c'est pas facile, hein. Auto R1. Et lit. Examiner, dormir, s'asseoir. Dormir, ça doit sauvegarder, j'imagine. Ouais, on fout. On peut pas dormir, nous. Monsieur Marston, tiens. Good morning, Arthur. How you feel? Stronger for sure. But not strong enough to work. Okay, well, let's talk more later. All right then. Des fois, il y a des trucs et on n'arrive pas à savoir comment on fait. Zoomer, dézoomer, on peut pas zoomer énormément non plus. On va finir de faire le tour du camp. Morning, Arthur. What's wrong? Thought you'd be happy to be off that mountain. Oh, I don't know. You ain't been yourself for a while. Okay, speak later. Well, I'm not much company. Take care. There he is. Arthur? Ce document certifie que Marion Williamson est coupable de manquement à l'honneur et renvoyé dans l'armée des États-Unis pour tentative de meurtre, renvoyé de l'armée. Tentative de meurtre et déviance. En date du 27 décembre 1892, officier de service, colonel Harold, machin, bataillon d'infanterie. Hey! You were right about this place. It's a good spot. You'll do for hey, now. Annie. Mr. Morgan. Bon, bien sûr, il y a des missions un peu partout. Et ça, c'est quoi ? If I prick my finger again, I swear I'll just throw this on the fire. I'm happy to swap later if you want. I'm sure Grimshaw would find some problem with that. Ok, ok, je vois. Somebody's doing some work around here. J'ai bien compris, faut le mettre là-dedans. On va, faut le déposer en fait. Il y en avait un deuxième, je crois. Pas courir, c'est pénible ça par contre.
Ouais, il y en avait un deuxième. Hein. Ouais, mais ça se recharge à chaque fois. Bon, on va pas faire ça pendant 8 ans. Hein. You okay there, Tilly? I'm okay. Warm at least. Could do with getting out of here for a bit. I'm sure. How you doing, Karen? Ugh, but all Grimshaw right, I said guess. I have to wash Grimshaw's all this driving first. Me crazy. Well, so no change there. All right, Mary Beth? I'm bored out of my mind. Been cooped up for days. About ready to stab one of these needles well, in my... Bored is better than freezing. Ça bug un peu, là, les dialogues, hein. Bon, quoi d'autre de beau? En mode boussole, on n'a pas grand chose d'intéressant. Étendu, ça me paraît bien. Est-ce qu'on n'irait pas faire un petit tour à cheval? Déjà, où est-ce que se trouve la carte? Alors, je vais peut-être faire un... Carte et deux, blablabla. Progression. Il y a peut-être un petit sauvegardé quelque part. Non. Il semblait que je l'avais vu tout à l'heure. C'était peut-être dans l'histoire. Oui, j'avais l'impression que ça avait rien sauvegardé depuis le début. Oui. Sauvegardé à plein d'endroits. Et du coup, la carte... Tac. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Valentine. On n'a pas exploré masse de choses, hein. Pour moi, ça va faire quasiment 3 heures. On a fini le chapitre 1. Je pense qu'on va pouvoir arrêter le live là-dessus. Ça fait une première petite découverte de Red Dead Redemption 2. Et ce jeu est magnifique. Clairement, il est excellent. Mais après, le mode histoire ne fait pas tout. Il va falloir vraiment voir ce que donne le mode multijoueur. En espérant qu'on aura bientôt plus d'informations à son sujet. Voilà. Bah écoutez, du coup, je vous dis à bientôt. Je pense que... J'en sais rien en fait encore quand, mais... Ouais, j'arrive dans le camp. Je sais pas encore exactement quand, mais je vais clairement... gagner du camp 11$. C'est cool. J'ai déjà donné 1$ à moi tout seul. Voilà. Ce que je disais, je sais pas exactement encore quand est-ce que je vais refaire un live sur Red Dead, mais sûrement très très bientôt. How are you, Jack? Are you sick? A little bit, but Uncle Jose gave me some medicine. Ouais, t'as donné à picoler, ouais. Oncle Jose. Hello, Arthur. You okay, Abigail? Settling in. Good. Écoute, voilà, on va s'arrêter là-dessus, et du coup, étudie. Psychopédie mise à jour. Et du coup, samedi prochain, on fera certainement du Fortnite, et en attendant, du Red Dead, il y en aura un peu régulièrement, je sais pas encore exactement quand, mais ça va arriver assez vite, hein. L'idée c'est d'avancer très très souvent, enfin le plus souvent possible dans le jeu, histoire de d'être prêt quand le multijoueur sortira. Voilà, voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut, salut, et portez-vous bien.